Actuellement candidate Miss Liège pour ensuite se présenter à l'élection de Miss Belgique, Émilie nourrit un autre rêve, celui de devenir policière. « J'ai commencé à vouloir devenir policière depuis très jeune. J'admire beaucoup ce métier parce que je trouve qu'aider la société sans rien avoir en retour, c'est beau. » Au moment d'expliquer ses motivations à vouloir devenir policière, la jeune femme raconte « Je n'aime pas la routine, faire la même chose tous les jours, il faut que ça bouge. J'aime aussi le risque, je veux faire respecter la loi. Chose que tous les citoyens ne font pas. » C'est donc en 2022 qu'elle décide d'effectuer une année de gardiennage afin de se préparer au mieux pour la police. « On m'a dit d'aller faire gardiennage à l'Atlas, car c'était un atout pour la police. Et effectivement, j'ai appris pas mal de choses en faisant la 7e sécurité. » Dans les semaines qui arrivent, elle va s'inscrire pour l'examen d'entrée à la police, qui demande beaucoup de préparation. Il y a d'abord l'examen d'entrée, où je vais devoir envoyer ma candidature. On aura le sportif, cognitif et puis il y a encore la psychologie et d'autres examens, explique Émilie. Au total, la formation pour rentrer à l'académie de police durera un an. À côté de sa formation pour intégrer la police, Émilie s'est également portée candidate pour le concours de Miss Liège et Miss Belgique. Et pourtant, elle ne se prédestinait pas à cela. Pourquoi Miss Belgique? Ça fait plusieurs années que je reçois des mails. Je n'y réponds jamais, mais un jour, mon copain m'a dit « Vas-y, tente ta chance ». Du coup, je me suis dit « Pourquoi pas relever un nouveau défi ?» Et visiblement, cela a porté ses fruits puisque la candidate est finaliste pour la finale de Miss Province qui aura lieu le 7 septembre. On verra bien ce que ça donne pour la suite, mais pourquoi pas devenir, peut-être, Miss Belgique et faire la sécurité en même temps. Pour la candidate de 23 ans, une chose est certaine, si elle ne gagne pas cette année, elle ne se représentera pas.